Dans la tempête, chaque hiver, des hommes risquent leur vie, presque sans y penser. Ils risquent leur vie pour ramener le bon poisson dont nous faisons nos délices. Ces hommes pratiquent la pêche hauturière, ce grand métier des chalutiers, superbement décrit par le capitaine Jean Rechet dans un livre qui a fait date. Un métier dur, dangereux, mais dont les hommes sont fiers. Alors, rendez-vous sur notre librairie en ligne. Vous y découvrirez toute une collection de livres consacrés à la grande pêche et au Terre-Neuve. Cela va du livre de référence, le très sérieux et passionnant « Histoire de la grande pêche à Terre-Neuve », jusqu'au livre qui a rendu célèbre le surnom des matelots et pêcheurs de Terre-Neuve, avec les bagnards de la mer. Vous y découvrirez Yvon le Typhon, l'incroyable récit de la biographie du père Yvon, défenseur et bienfaiteur des Terre-Neuvois au début du XXe siècle. Les romans aussi, Mère Misère, L'Amiral des Terre-Neuvois ou Les Galériens des Brumes. Plus récente, la trilogie sur l'âge d'or des chalutiers, avec le début, ceux des tempêtes, l'âge d'or, Le chalutier téméraire, enfin le drame de 1992, la fin de la pêche à Terre-Neuve. Mais aujourd'hui, L'Encre de Marine vous propose un livre qui vient tout juste de paraître, le second tome des mémoires de Francis Vallée, intitulé « Le boulanger des bancs ». De son poste d'observation, Francis Vallée nous raconte des campagnes de pêche particulièrement mouvementée. Rien ne fut épargné à l'équipage du Victoria. Un chalutier pris dans les glaces, subissant une tempête qui le drosse sur les récifs où il fait naufrage, suite à une erreur de navigation. Malgré ces mésaventures, Francis Vallée dépeint à merveille les heures, les malheurs, les bonheurs aussi, d'un métier dont les hommes qui l'ont pratiqué restent fiers, le grand métier, comme l'écrivait le capitaine Jean Rechet.